mes petits loups, bah, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Moi, ça va, et vous? Voilà, aujourd'hui le temps. Oh, ça va, mais bon, il fait un petit peu frais, il n'y a pas de soleil. On verra par la suite. Je voulais vous dire, aujourd'hui, je crois que je vais faire une coloration. Je ne sais pas, je suis partie chez le coiffeur. Je voulais faire une color et éclaircir un peu mes cheveux. Elle m'a dit non, je peux pas, ça ne marche pas. Donc, j'ai décidé de m'acheter du blond clair, clair. Je sais pas ce que ça va sortir, je sais, je fais n'importe quoi, mais faut que je le fasse. Je veux changer de tête, j'en ai marre de cette tête. Je crois que j'ai coupé mes cheveux aussi parce que il y a des jours comme ça, on a envie de tout changer. Je vais vous montrer ma couleur de cheveux maintenant et ma longueur. Bon, après, je sais pas si j'ai coupé aujourd'hui mes cheveux, je sais pas si c'est ouvert ou pas, mais en tout cas, la couleur, je pense que je vais la faire. Je pense. Regardez mes cheveux comment ils sont, comme ça vous verrez avant et après. Donc voilà ma couleur de cheveux. Bon, faites pas attention, ils sont pas coiffés là. Voilà, j'espère que vous voyez à longueur aussi. Voilà ce que ça donne. Et on verra quand je mettrai du blond. J'espère que ça va pas sortir rouge, tout ce que j'espère. Si c'est rouge, je serai dégoûtée de la vie. Voilà les petits loups. Bon, là les petits loups, je suis dans le bus. Hein. J'ai pris le bus, je suis partie d'un magasin voir des robes. J'ai pas trouvé de robes. Moi je comprends pas, il y a des gens, ils mettent n'importe quoi, ça leur va. Moi j'essaie une robe, rien me va. Pas possible, hein. Franchement, dégoûté de la vie. Bref, là je vais aller à Leclerc, aller m'acheter ma couleur. Hein. Tant qu'à faire, j'ai pas trouvé ma robe, autant acheter ma couleur. Hein. Bon, moi les petits loups, je vous montrerai ce que j'ai acheté, hein, si je la trouve, hein, bien sûr. Si je change pas d'avis entre temps, hein, je sais pas. Hein. Il y a des jours comme ça, tu te lèves le matin, tu te trouves moche, tu te trouves des. Bref, je pense pas être la seule, c'est sûr. Voilà, je rentre de Leclerc, j'ai acheté ça. Auréa Garnier, c'est combien? C'est 9 euros? Ouais, 9 euros. C'est quoi comme couleur? Blond clair radieux. Je sais que je suis en train de faire n'importe quoi, mais bon. On verra ce que ça donne. Hein. J'ai acheté ça, j'ai acheté du lait aussi. J'ai acheté une baguette. 39 centimes. Et j'ai acheté deux paquets de 4 euros, même pas 3,50 euros, les deux paquets de Magnum. Il y avait une promo. Voilà ce que j'ai acheté. Je vais prendre mon petit café et après je vais voir ce que je vais faire. Donc voilà, je vais prendre mon café comme d'hab. Je vais d'abord prendre mon goûter, hein, parce que après je ferai mes cheveux. Je sais que ça va faire ça va être du n'importe quoi. Je sais que je vais être dégoûtée à la base, mais bon, je peux plus rester comme ça. Voilà, j'ai chauffé mon café. Je vais manger ça avec le pain que j'ai acheté là, et la confiture, et c'est bon. Bon, les petits loups, voilà, je vais me requinquer là. Après, après, je vais essayer la teinture. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais que ça va pas donner grand chose, c'est sûr et certain, mais c'est juste le fait de. J'en peux plus de moi. Changer ma tête là, c'est pas possible. Franchement, ma tête aujourd'hui, elle ressemble à rien. Je sais que c'est pas en faisant une couleur que ça va changer quelque chose, mais bon, dans ma tête, je vais me sentir mieux. Si je me sens pas mal en voyant la couleur, hein. Bah, tout à l'heure, je vais manger déjà. Oui, petit loup, je suis pas convaincue. Hein. Regardez la brosse. Ça, c'est une brosse que j'avais, hein. C'est pas la brosse de ça. Je suis pas convaincue, mais il faut faire quelque chose quand on n'a pas le choix. C'est quoi ça? Crème révélateur, nanana. Ça, on va le mettre à l'intérieur. Et en plus, je ne sais même pas si ça va me faire tous mes cheveux, cette truc là, parce que j'aurais dû en prendre deux. Déjà, ça commence bien. Ça commence bien, ça commence bien. On va bien gratter là parce que je sais pas pourquoi je fais ça, hein, franchement. Ça c'est quoi ça? Soin après coloration, et ça c'est crème colorante. Mais ouais, pourquoi ça marche pas ce truc? Faut ouvrir, c'est quoi ce problème? Je passe un trou. Voilà.
J'espère que ça va pas sortir rouge, c'est tout ce que j'espère. Tout ce que j'espère que ça soit pas rouge. Si c'est rouge, oh mon Dieu, on va retourner à l'éclair. Hein. Il y a des jours comme ça, t'as rien à faire de ta vie, comme moi par exemple. Bon allez, on va bien mélanger. J'espère que je me suis pas trompée de truc là. Non, c'est ça. Soin après coloration. Bon allez. Oh, ça on me l'avait donné. Je sais pas comment on fait ça déjà là-bas. On va mettre les gants. Des gants, des gants. Et on va voir ce que ça fait. Moi je pense que ça va rien faire. J'espère que ça va pas sortir rouge. Moi je pense pas que ça sorte rouge. Donc, je vais enlever mon haut déjà. On va passer l'arme en haut. Bon les petits loups. Je commence et je vous montrerai après le résultat. Moi je vais tout déshabiller. Moi je vais pas me casser la tête. Je vais mettre tout comme ça. Voilà. Et je vais mettre mèche par mèche. Comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà les petits loups. Là j'ai mis ma couleur et j'attends. Il est déjà 30 minutes. Moi je crois que je vais attendre de 1 heure. Voilà. Moi, je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Le résultat, franchement, je suis dégoûtée. C'est vraiment mettre 10 euros. C'est comme si j'avais mis 10 euros à la poubelle. Si j'aurais su, j'aurais acheté une coloration à 4 euros. Là. Franchement, ça, regardez, ça fait. Ça n'a rien fait du tout. Moi, en tout cas, je trouve que ça n'a rien fait. Aïe, 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 dégoûtée. Je sais plus quoi faire de ces cheveux. Moi, ouais, je vais les couper parce que là, c'est catastrophique. Déjà, je me sens pas bien. Alors là, quand j'ai vu que la couleur, ça n'a rien fait, et le coiffeur ne va pas me faire de couleur. Bon, que vous dire? Bah, faites pas comme moi, allez pas acheter une couleur, ça va pas changer grand-chose, hein, de toute façon. Bon, voilà les petits loups. Oui, petit loup, là, j'ai sorti ma viande. Je vais faire un tagine aujourd'hui. Hein? En même temps, on a acheté du pain à la boulangerie, là. Voilà. Quoi d'autre? Voilà. Allez, J'ai viens. préparé mon tagine. Hein. C'est la première fois que je vais faire dessus. Il est là. On va voir ce que ça donne. Voilà. Après, si vous voulez. Ouais, je suis en train de penser à un truc. Ouais, je vais faire une vidéo de mon tagine. Comme ça, vous pourrez le voir. Bon, c'est pas un tagine compliqué, mais bon. Je vais vous faire comme une vidéo là-dessus. Si vous voulez bien. Voilà le. Mon tagine. Ça, je l'avais acheté 15 euros au marché. Je l'avais eu au marché. Voilà. Quoi d'autre? Là, j'ai préparé ce que je vais mettre. Et voilà. Et de toute façon, vous verrez la vidéo. Hein. Il y a mon voisin qui vient d'arriver. Comme il va partir en vacances pendant 3 semaines. Il m'a ramené ses plantes. Regardez. Il m'a dit qu'il fallait que je les arrose. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. C'est un oro. C'est quoi ça? Non. Qu'est-ce que je raconte? Ah non, ça c'est le nom de la plante, bref. Voilà. Je ne sais plus c'est quoi. Bon, bref, il a ces 3 plantes. Il faut que j'en prenne soin. Hein. J'espère qu'ils ne vont pas mourir parce que ça serait grave quand même. Donc, voilà les petits loups. Bon, quoi, moi, je vais aller cuisiner. Bon, la pelouse, elle est toujours pas tondue. Hein. Voilà, je vais aller cuisiner comme je vous ai dit. Voilà, donc. Bon, les petits loups, voilà, j'ai préparé tout. Bah, je vous dis au revoir. Bon, les petits loups, comme vous voyez, j'ai fait mon tagine, là. C'est pour ça que je vais vous la mettre à part. Je vais faire une vidéo à part pour le tagine. Vous pouvez bien expliquer comment faire un tagine. C'est pas un truc de fou, c'est sûr, mais voilà. C'était juste pour vous montrer, voilà, ce que j'ai fait, hein. Bah, voilà. Et là, je laisse cuire tranquillement. Voilà, les petits loups. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une vidéo.